Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le tout nouveau boys group de la Big Hit Entertainment. Attention à la prononciation. Je nomme Henhye Puns. Hier, par surprise, j'ai vu sur YouTube qu'ils nous avaient sorti un tout nouvel MV et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Oh, ça fait peur. Let me see. Pourquoi ça fait un peu reggae comme ça? On reste dans ce concept mystérieux, un peu vampirique. Hein. Qu'est-ce qu'il voit, cette substance bleue, c'est quoi? Ok, on dirait des petits robots là. C'est dans une sorte de musée. J'aime beaucoup quand il y a tout qui en a présenteur et tout cet espace tout pour eux, c'est joli. Démonter un mur. Des traces de mains. Ok. Comme s'ils étaient en mode pause. Mais les plaisirs. Des bonbons. C'est un petit peu comme les statues de cirque là, qui sont vivantes, un peu comme la nuit au musée là. J'adore ce pas, je sais pas pourquoi. Ok. Et bien encore une fois, comme leur précédent MV, on voit vraiment ce côté mystérieux, un peu vampirique qui reste dans cette continuité, donc je suis vraiment contente. J'ai beaucoup aimé le MV parce qu'il y a vraiment de multitudes de mystères et de petits détails, vraiment, mais tout petits, mais qui donnent vraiment ce MV très très joliment.
beau. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Évidemment, les garçons sont superbes comme d'habitude. J'aime vraiment cette cohésion de groupe. La danse est superbe également. On revoit les yeux là qui sont d'une autre couleur. Et j'ai beaucoup aimé vraiment ces éléments. Comme au début, c'est comme s'ils étaient en une statue de cire en fait. Et qu'ils allaient se réveiller comme la nuit au musée. Je sais pas si vous connaissez ce film. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils vont comme dans une sorte d'univers parallèle avec... plein de petites étoiles et même des petits bonbons, j'ai vu plein de petits lasers. Et puis cette forêt, comme quand ils essayent de casser ce mur de forêt. Et puis chaque fois ce carré noir, on dirait qu'ils essayent de passer d'univers en univers. Enfin, il y a tellement de choses, tellement de mystères et vous avez envie de tellement découvrir c'est quoi, pourquoi, le comment, etc. Donc oui, encore un MV que j'ai beaucoup apprécié. Heureusement que je n'ai pas encore écouté le mini-album parce que j'ai pu écouter la chanson, vraiment une totale découverte pour moi et j'ai vraiment apprécié de nouveau cette chanson. Donc là maintenant je pense que je vais vraiment écouter leur mini album parce que j'ai kiffé le précédent comeback et également celui-ci. Donc franchement c'est un groupe, encore une fois je vais me répéter, qui a vraiment beaucoup d'avenir et j'espère qu'ils vont être dans la continuité des autres groupes de leur agence. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le titre et également le MV, mais quel mystère vous déduisez dans cet MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara.